Certains le grimpent à vélo, d'autres au volant d'engins particuliers. Désormais, le col du Galibier se déneige confortablement au chaud au volant d'engins jadis agricoles et modifiés par des spécialistes tels que la maison Vilton. Après la transformation des classes Xerion pour le déneigement lourd, l'Isérois s'est attaqué à un autre porte-outil, le Fast Track 4000. Jean Vilton, quel est l'intérêt de ce nouveau Fast Track Snowtrack ? L'objectif, c'est qu'il y a une demande assez importante dans cette puissance-là, puisque donc, le Xerion est un gros véhicule, et aujourd'hui, il nous fallait un petit véhicule. Alors surtout, l'objectif, c'est de rester dans une configuration 4 roues motrices, 4 roues directrices, roues de même diamètre, avec une suspension qui est très avantageuse et qui permet des déplacements sur la route agréables. Donc, le choix est parti sur le Fast Track, puisque dans nos connaissances et nos configurations, il convenait bien à notre travail qu'on allait lui demander de faire. Donc suite à ça, un accord s'est fait avec JCB concernant le Fast Track Snow, vraiment neige, avec des équipements très particuliers, c'est-à-dire des ailerons élargisseurs et crêteurs, étrave à l'avant. Bien entendu, possibilité de monter une fraise à neige, puisqu'on l'a vu sur le chantier. De façon rapide, on estime que ça se change comme un outil agricole, une faucheuse, une charrue, autre chose. Voilà. Donc nous, l'objectif aussi, c'est de confirmer la solidité de l'entreprise avec nos clients, c'est-à-dire que nos clients nous font tout à fait confiance dans ces produits particuliers, et c'est pour ça que le véhicule de base donc arrive de chez JCB à chez nous. Il est transformé, donc bien entendu modification des organes pour notre configuration à nous, et ce qui fait que suite à cette transformation, le véhicule est pris en main par nos soins à la livraison chez le client, le suivi, son service après vente, sa garantie, tout est en totalité pris par nous, puisque nous assurons un service après-vente en saison hivernale, on dit environ 15 novembre, 15 avril, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on a tous les éléments correspondants sur le véhicule de base, plus notre modification, à assurer auprès de notre client un service et une garantie avec toutes les sécurités qui lui vont bien. Quand la garantie reste la garantie d'origine du véhicule, et tous nos équipements derrière suivent les mêmes conditions de garantie. Vous êtes utilisateur d'un Xerion ? Je suis chauffeur dans un Xerion. D'accord. Donc, quel est l'intérêt pour vous d'avoir un modèle un peu plus petit ? Nous, ça dépend de l'infrastructure routière. C'est vrai qu'il y a certaines routes qui ne méritent pas le gabarit d'un Xerion parce qu'il est quand même conséquent. Et du coup, c'est vrai que ce modèle, ce type d'engin-là correspond bien à des routes plus réduites, des secteurs un peu moins enneigés que le Xerion fait habituellement, donc où justement il est prévu pour. Et ce type d'engin est bien pour des routes plus étroites, comme des routes communales, en station, en altitude, où il y a quand même pas mal de neige, mais où les largeurs des routes sont un peu moindres, et qui permettent à certains engins de pouvoir passer ou d'autres ne passent plus à cause de la largeur. Puis il y a aussi à cause du poids. Le Xerion, il est lourd, c'est un gros porteur, un gros pousseur. Celui-là, il est moins lourd, il fait 10 tonnes de moins que l'autre. Donc du coup, il est quand même plus adapté à certaines routes. En plus, c'est vrai que celui-là, vu l'équipement qu'il a, le confort qu'il a, et puis les capacités de déneigement qu'il a, il équivaut donc au Xerion, mais en plus petit. Donc c'était le modèle qui manquait par rapport au Xerion. Donc pour vous, il est complémentaire ? Il est complémentaire au Xerion. Parce que le Xerion est gros pour certains utilisateurs ou sur certaines routes. Et finalement, c'est vrai qu'il manquait quand même un engin un peu plus adapté, avec une taille un peu plus réduite. Donc du coup, celui-là, il correspond parfaitement. D'accord. Des outils qui existent déjà sur le marché, non tracteur agricole modifié, pour vous, il a plus d'avantages ? Il a plus d'avantages. Parce que, disons, il est plus sophistiqué, il a beaucoup plus de possibilités de réglages. Et c'est un peu du tracteur un peu modifié, mais par contre c'est très très bien fait par rapport à des engins qui existent depuis très longtemps, qui eux n'évoluent pas forcément dans le bon sens,
Donc du coup, on se retrouve avec des véhicules qui ne sont pas forcément adaptés aux exigences qu'on a à l'heure actuelle. Les joysticks sont ressemblants à ceux du Xerion. Oui. Là, ils sont montés un peu différemment. Par contre, on a la possibilité de changer les joysticks et d'en mettre aussi des similaires que du Xerion. Ce qui fait que si on passe d'un engin comme celui-ci au Xerion, on a la même continuité dans les commandes, donc c'est beaucoup plus pratique, et fonctionnel et plus logique dans le sens des commandes. Ça l'occupe quand même. Oui, ça. Il n'y a que 220 chevaux, oui. Mais le couple moteur est bien établi, il est très bien placé. Donc on tourne à peu près aux alentours de 2100 tours. Et le véhicule, le couple, il est vraiment optimum. On sent qu'il y a de la réserve derrière. Pour la fraise, ça va bien, il suffit de réguler l'avancement et on s'aperçoit qu'il y a une continuité de service. Vous l'aurez compris, grâce à l'expérience du tracteuriste anglais et d'un tracteur produit en grande série, Vilton mise à la fois sur les aspects pratiques, les nombreuses possibilités d'équipement et le cas échéant, la possibilité d'employer l'engin hors saison. Mais il s'agit aussi de proposer, face à des engins artisanaux de plus faible production, un appareil offrant un coût d'utilisation attractif, un argument qui devrait notamment séduire les collectivités. Agile et léger, le Snowtrack est ainsi arrivé à point nommé pour prêter main forte à son grand frère, le Xerion.